Une campagne de collecte de fonds pour soutenir les populations déguerpies de la réserve de Kunkunfuanou, localité située à 70 km de la ville de Fada. La collecte est lancée par la coordination des organisations de la société civile de l'Est. Des précisions avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Une année après le déguerpissement par force population de Kunkunfuanou dans la province du Gourma, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est demande justice et solidarité. Pour cette coordination, depuis juin 2015, les 7000 habitants chassés de leur domicile et de leur terre de culture, sans mesure d'accompagnement, vivent dans une situation de précarité. Les populations vivent depuis cette date sans terre d'habitation et d'exploitation, sans emploi, dans la famine, avec des centaines d'enfants déscolarisés et à de folies normalement liées à la situation. Ainsi, après maintes indignations et de condamnations sans succès, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est décide cette fois-ci d'organiser une campagne de soutien financier et matériel au profit de ces personnes fragilisées. Conscient de ce qu'ont les paysans déguerpis de Kunkunfuanou, nous lançons une souscription nationale et internationale afin de collecter des contributions diverses pour leur venir en aide. Pour ce faire, un comité de pilotage composé des organisations initiatrices est mis en place. Séance tenante, des responsables administratifs et religieux ont tous manifesté leur solidarité à cette action humanitaire. La coordination comptait sur l'engagement de tous pour obtenir près de 2 millions de francs CFA d'ici à fin décembre 2016.